salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo idée cadeau d'anniversaire de Noël. Les fêtes qui approchent, je me dis que c'est une vidéo qui peut être appréciée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si ça vous plaît ou des pouces en bas si ça ne vous plaît pas et à vous abonner si vraiment vous aimez bien mon style de vidéo. Aujourd'hui, je vous propose des petites idées cadeaux. J'ai pas fait original, j'ai juste trouvé des petites idées cadeaux, en même temps des nouveautés, des choses qui peuvent intéresser. Je me suis dit que c'était pas forcément original, mais que voilà, j'avais trouvé des trucs sympas à vous montrer qui peuvent vous donner des idées, parce que parfois on est en manque d'inspiration pour certains cadeaux. Moi, le premier type de cadeau que j'aime offrir, ce sont des bijoux. J'aime en recevoir et j'aime en offrir surtout aux personnes chères à mon cœur. Et je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais voilà, vous n'hésiterez pas à me dire tout ça en commentaire. Mon mari m'a offert un petit bijou Swarovski, malheureusement tel un boulet. J'ai la boîte vide et en fait il est dans la chambre où mon fils dort. Donc soit je vous mettrai une photo, soit je vous invite à aller découvrir le bijou dans ma vidéo cadeau d'anniversaire. Mais voilà, j'ai d'autres bijoux à vous montrer, donc je n'en s'arrête pas là. Mon mari m'a offert il y a très 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 longtemps un bijou de la marque Thomas Sabo qui se présentait voilà comme ça dans un packaging trop mignon. Ça s'appelle Charm Club Thomas Sabo. C'est un peu dans le même style que Pandora. Vous achetez le bracelet et ensuite vous achetez des charmes. Et que voilà, vous complétez selon vos envies, selon votre vie. Souvent, ça a un petit rapport avec notre vie personnelle. Donc voilà. Moi, le mien, il est comme ceci. Donc je vais l'attacher, je vais vous le montrer mieux. Il a un certain nombre de charmes, mais j'aimerais bien en acheter de nouveaux pour Noël, par exemple, pour compléter. Parce que celui-ci date il y a quelques années, et bien du coup maintenant les charmes, j'aimerais bien en mettre de nouveau par rapport à ma vie actuelle. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est un bracelet avec des grosses mailles, ça n'a rien à voir avec Thomas, enfin avec Pandora, et vous mettez après vos petits charmes qui sont sous forme de crochets, donc vous les accrochez à l'endroit où vous voulez. Donc voilà, moi j'ai pris le cas pour Karine, le haut pour Soufi, donc c'est le nom de mari, le cœur parce que voilà on est mariés, le rose parce qu'à l'époque c'était une couleur que j'aimais beaucoup, et c'est encore aujourd'hui. Une petite palette de... Alors c'est pas une palette de maquillage, mais c'est une petite palette de peinture parce que moi je suis une grande fan d'art, j'ai fait des études d'art. Un petit rouge à lèvres parce que je suis fan de rouge à lèvres, ça vous le savez. Je devrais rajouter maintenant un petit planner. Et je crois que c'est tout au niveau des charmes, donc c'est pas mal. Faut savoir que ça date, ça coûte quand même... C'est pas donné ce genre de petits bijoux là. Donc voilà, je voulais vous donner l'idée aussi. Donc c'est dans le même style que Pandora. Mais si vous n'avez pas envie de faire comme tout le monde, avoir un Pandora, vous pouvez vous pencher sur la marque Thomas Sabo si ça vous dit. Ensuite, j'ai découvert la marque Les Georgettes, qui est une marque de bijoux trop mignonne. Et je voulais vous en parler parce que je trouve que ce sont des bijoux trop sympas. Donc ça se présente comme ça, hein. J'ai reçu ça dans un joli sac blanc. Donc ça se présente dans une jolie boîte comme ça. À l'intérieur, vous avez votre bijou. Là, c'est une manchette qui est vraiment sublimissime. Et le truc avec ces bijoux, c'est qu'ils sont personnalisables. Alors sur le coup, quand j'ai lu ça, si, mais c'est bizarre, c'est personnalisable, c'est étrange. Et en fait, vous pouvez, à l'intérieur, en fait, cette manchette, elle est en argent. Vous avez aussi en version or et en version rose gold, or rose, je cherchais le nom en français. Et en fait, à l'intérieur, vous avez un petit bracelet comme ça en cuir qui est personnalisable, que vous pouvez donc, vous pouvez en acheter plein de différents. Ça coûte pas très cher d'ailleurs le bracelet et vous avez juste à l'enlever. À le clipser à l'intérieur, vous avez des petits crochets pour le clipser et à le changer de côté selon vos envies. Donc là, vous l'avez vu en version blanche. Je vous le montre en version noire et vous pouvez acheter plein de petits bracelets cuir comme ça. Il en existe des sublimissimes en version pailletée, métallisée. Enfin, d'ailleurs, je pense que je vais en acheter d'autres. Parce que je crois qu'ils sont vraiment pas chers et ils sont vraiment très beaux, leurs petits bracelets. Donc, et voilà en version noire. Donc voilà, je trouve que pour une tenue, au final, on n'a qu'un bijou et on peut changer à notre guise, selon nos envies, l'intérieur. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée cadeau. Ma foi, ça reste raisonnable, je crois, dans leur prix. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais ça reste vraiment raisonnable dans leur prix. Et c'est une super idée cadeau d'anniversaire. Ils existent. Donc de différentes tailles, vous avez des grosses manchettes comme celle-ci, des bracelets un petit peu moins gros. Et vous avez aussi des bagues. Alors je vous montre celle que moi j'ai eue, qui est vraiment sublime. Et c'est pareil, elles sont personnalisables. Là, l'intérieur, il est un petit peu métallisé. Vous voyez, avec des petits reflets un peu style essence, je ne sais pas, ou un peu licorne, vu que c'est la mode du licorne. Et voilà, c'est pareil, à l'intérieur, il y a vous avez un petit outil pour l'enlever et le changer. Et voilà, elle est sublime, je trouve. C'est une très très jolie bague. D'ailleurs, je vais la garder, vu qu'on est dans une vidéo, on peut la garder.
Ensuite, dans les deuxièmes idées cadeaux, on va faire un petit peu moins original, on va se diriger vers des parfums. Moi, je suis une grande fan de parfums, donc quand on m'en offre, bah, je suis plus que ravie. D'ailleurs, dans ma vidéo haul cadeau, je vous remettrai le lien ici. J'ai ma copine Nini des Folies de Nini qui m'a offert un coffret énorme, sublimissime de Victor & Rolf. Le parfum bonbon. Ma mère m'a acheté il y a pas très longtemps le parfum Dior comme ça, qui est le Miss Dior Blooming Bouquet et qui est vraiment sublime. Donc déjà la boîte elle est trop belle, donc pour un cadeau voilà, c'est très sympa. Et ça reste des parfums. C'est un luxe. Beau cadeau d'anniversaire ou de Noël je trouve. J'ai la voix qui part en cacahuète. La bouteille est sublimissime. Voilà le packaging. C'est une odeur printanière, elle est un petit peu rosée à l'intérieur, elle est vraiment, ils sont vraiment très bons, moi je l'adore. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'attends de finir mon parfum pour l'utiliser. Moi j'aime finir mes parfums avant d'utiliser des nouveaux. Et puis c'est aussi selon la saison. Donc celui-ci est vraiment très beau, c'est une bonne idée cadeau. Vous avez aussi la dernière nouveauté de chez Lancôme, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo unboxing, qui est La Vie est Belle version L'Éclat, qui est vraiment aussi une bouteille sublime que pour un anniversaire ou pour un Noël, c'est vraiment trop joli et c'est dans l'air du temps, c'est une très belle bouteille et c'est un objet vraiment de collection. Je trouve que ça prenait ça, enfin mettre ça dans la salle de bain c'est tout de suite quelque chose de plus classe. En revanche, si vous avez une plus petite bourse et que vous voulez vraiment offrir des petits parfums sympas mais moins chers, je vous invite à aller découvrir les parfums de la marque Adopt. Là vous avez un petit coffret spécial Noël qui s'appelle My Magic Christmas et à l'intérieur il y avait 4 petits parfums comme ça. Il faut savoir que maintenant la marque Adopt se développe de plus en plus au niveau de leurs parfums et vous trouvez même des dupes de parfums très connus comme La Vie est Belle, vous avez vu tout à l'heure. Et bah, il existe un autre parfum de chez Adopt, je sais plus comment il s'appelle, je crois il s'appelle Poudre d'Iris ou quelque chose comme ça, qui est le dupe avec l'odeur quasi identique de La Vie est Belle. Donc si vous voulez faire un petit coffret comme ça pour Noël, pour quelqu'un qui adore les parfums, avec des odeurs qui ressemblent à des vrais parfums de luxe, mais sans payer 70€, eh bien, tournez-vous peut-être vers la marque Adopt, qui est vraiment, ma foi, très sympa. Je trouve que, voilà, pareil, ça en idée cadeau, c'est top. Et pour finir, toujours dans le luxe, on va dire, et le parfum, il y a les dernières nouveautés de chez Cartier. Ils se sont mis à faire un parfum, je le trouve très beau, voilà, qui est un petit peu, ma foi, masculin-féminin. Je le trouve très joli et vous avez à l'intérieur une espèce de flacon comme ça, divin, voilà, avec les motifs de Cartier qui sont à la base des bijoutiers. Et voilà, la bouteille que vous pouvez remplacer. Donc moi j'ai eu des miniatures. Honnêtement, j'adore l'odeur. C'est une sorte d'odeur assez particulière. Ça s'appelle l'envol de Cartier. Il y a l'eau de parfum et l'eau de toilette. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce parfum en boutique si vous voulez, à Sephora, etc. Juste le sentir et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que vraiment, l'odeur est particulière, un peu masculine. Mais j'adore. Alors que j'aime pas du tout d'habitude les produits un peu masculins. Mais là, j'adore. Ensuite, vous pouvez offrir pour les filles et les garçons. Hein, je ne suis pas restée sur les filles, mais même pour les garçons. Vous pouvez offrir des produits pour la salle de bain. Qui sont pas forcément des coffrets, enfin des produits de beauté, mais des produits pour la beauté, mais sans être des produits de beauté. Je ne sais pas si je suis claire aujourd'hui. Braun propose plein de coffrets comme ça, tout beau, tout neuf, pour les garçons et pour les femmes. Donc là, pour les hommes, je vous montre un des coffrets qui est vraiment top. Ils en ont des d'autres versions, mais juste magnifiques. Là, c'est une tondeuse qui fait en même temps rasoir. Donc derrière, ça vous explique tout ce que ça peut faire, tout le matériel qu'il y a. Voilà. Les hommes, ils peuvent se raser le torse, raser la barbe, ils peuvent se couper les cheveux, enfin, s'occuper d'eux, se faire beau. Et voilà, c'est un coffret juste trop bien avec une tondeuse et tout le matériel qui va avec. Avec même un petit rasoir à l'intérieur en plus. Qui est, je ne sais pas où cacher. Et vous avez même une tête, voilà, en plus pour les zones un peu plus délicates. Donc honnêtement, c'est pour les cheveux, le visage et même le corps. Ça fait 3 en 1. Voilà, c'est un beau coffret pour hommes. Donc je trouve ça, ma foi, plutôt pas mal. C'est un investissement. Je pense que ça doit coûter autour de 70€. Mais c'est un très beau cadeau parce qu'il sert pour 3 choses. Et voilà, les hommes, vous savez à quel point ils utilisent leurs produits comme ça pendant longtemps. Donc c'est une valeur sûre et Braun, ça reste une grande marque, moi je trouve, comme ça dans les produits électroniques. Ensuite pour la femme, je vous propose 2 coffrets dans le même style. Celle-ci qui est aussi 2 en 1, qui fait brosse nettoyante et épilateur pour les narines, hein, pour une précision ultime, ils appellent ça. Donc voilà, vous avez un épilateur comme ça pour les petites zones comme le nez ou les zones plus difficiles à accéder. Et là vous avez la brosse pour les peaux sensibles. Donc ça nettoie, ça épile, ça fait tout, ça va dans l'eau.
Donc c'est un joli coffret pareil ça. Donc voilà, je vous invite pour quelqu'un, si vous voulez offrir ce genre de cadeau à quelqu'un, tournez-vous vers la barre Brown que vous trouvez dans tous les supermarchés en plus, donc ça c'est top. Et là il y a l'épilateur Silk Epil numéro 5, il existe je pense le numéro 7 ou le numéro 8 ou 9. Il y a plusieurs versions, ça c'est une version un petit peu plus ancienne que j'ai depuis quelques temps mais que je n'ai jamais ouvert puisque moi je me fais épiler chez l'esthéticienne. Mais j'hésite à l'ouvrir parce que j'aurais préféré avoir la version qui va sous l'eau. Celui-ci il ne va pas sous l'eau. Enfin ils disent que vous pouvez le mouiller mais vous pouvez pas mettre sous la douche, etc. Il y en a un autre qui fait aussi brosse exfoliante qui est vraiment divin et qui va sous l'eau. Donc j'essaierai de l'avoir très prochainement. Mais celui qui va sous l'eau, voilà, il me plaît plus. Et il a une espèce de brosse un peu qui va faire du bien quand vous épilez. Donc j'aimerais bien le tester. Là celui-ci il va un petit peu sous l'eau mais il n'a pas cette brosse là qui permet de moins avoir mal. Alors pour celles qui ont l'habitude d'utiliser des épilateurs électriques, ça leur ira très bien. Donc c'est aussi une idée cadeau, je trouve. Et je crois que ça doit coûter autour de 50 euros. On va maintenant dans les coffrets beauté. Je vous présente deux coffrets beauté que je trouve très très sympas. Donc voilà, pareil, en idée cadeau, je trouve que c'est très bien. C'est des packagings qui donnent envie. Donc celui-ci, je vous en ai parlé aussi dans une vidéo produit reçu. C'est un trio essentiel visage apaisant à la noix de coco de chez Blanc Crème. Je le trouve divin ce petit coffret avec trois petites miniatures. Je trouve qu'en cadeau de Noël ou d'anniversaire c'est très sympa. Ça permet de tester, de découvrir cette marque Blanc Crème qui n'est pas forcément hyper connue. Donc je trouve très sympa ce genre de petit coffret que vous trouvez sur le site Blanc Crème et aussi parfois sur Beauté Privée. Donc je vous mets en barre d'infos. D'ailleurs n'oubliez pas pendant vos achats pour Noël, puisque c'est bientôt Noël, n'hésitez pas à vous connecter à Igral avec mon lien de parrainage en bas, vous gagnez 10 euros dès votre première commande, donc c'est juste ouf que Igral offre ça, et à chaque fois que vous commandez sur Sephora ou sur d'autres sites comme Beauté Privée, etc., vous cumulez de l'argent et au bout de 20 euros, vous pouvez vous faire un virement. Donc voilà, vous gagnez de l'argent en achetant sur internet, donc ça reste pas mal, surtout pour celles qui achètent beaucoup sur internet. N'hésitez pas à aller voir mon lien de parrainage Igral et à vous renseigner si vous ne connaissez pas Igral, mais je vous invite vraiment, moi je n'utilise que ça quand je passe par internet. Je commande pas tout le temps sur internet, mais quand je commande sur internet, je passe par Igral. Et un deuxième coffret de chez Garantia. Donc voilà, moi je suis fan de la marque Garantia, en ce moment j'utilise leur bébé crème que j'adore. Et j'avais testé celle-ci en miniature, c'est la formule ensorcelante anti-peau de croco 3 en 1 qui raffermit, qui gomme sans grain et sans rinçage, qui nourrit et hydrate 24 heures. Et j'avais adoré l'odeur. L'odeur est juste divine. Et là, on nous a mis aussi le Pchit Magique en grand format. D'ailleurs, c'est pas une miniature. Moi, je pensais que ça allait être des miniatures. Mais ils sont en grand format. Là, vous avez un petit pompon, voilà, avec une trousse toute dorée. Enfin, voilà, parfaite pour les fêtes de Noël. Je trouve que c'est un très beau cadeau de Noël. C'est une belle idée cadeau. Vous avez le Vanity. Vous avez deux produits en full size. C'est même pas juste pour tester. C'est quand même des grands formats. Et c'est vraiment une marque qui dégomme, hein, comme c'est écrit là. Ça dégomme, mon Vanity qui dégomme. C'est une marque que j'adore, moi je vous en parle à chaque fois tout le temps. Que ce soit par leur packaging, l'originalité des noms, voilà, c'est féerique et ça donne envie. Donc là, moi je vous les conseille. C'est vraiment le style de petite pochette que je trouve très sympa pour offrir pendant les fêtes de Noël ou pour un anniversaire. Et avant, il me reste deux petites idées cadeaux. Je vous invite aussi à découvrir la marque, enfin la box Prescription Lab. Je vous en ai parlé aussi dans une vidéo unboxing. Je vous avais ouvert cette box qui est une box maman-enfant. J'ai été totalement conquise par cette box. Je crois qu'elle vaut 48 euros et vous avez plus de 100 euros de produits à l'intérieur. Je vous remets le lien vers ma vidéo unboxing ici si vous voulez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais pas vous montrer aujourd'hui tout ce qu'il y a parce que ça serait mode repeat pour celles qui ont déjà vu. Mais je vais vous montrer une autre. Ça sent divinement bon d'ailleurs encore. Je vais vous montrer une autre box de la même marque, donc Prescription Lab. Et à l'intérieur, voilà, ça c'est la version mensuelle. Donc voilà, vous pouvez offrir ça aussi, une petite box comme ça de beauté à celles qui, il en existe pour les hommes et pour les femmes, pour celles qui sont intéressées par les petites box et pour changer de Glossy Box ou de Birch Box. Là vous avez Prescription Lab, donc c'est une jolie box. À l'intérieur vous avez toujours des petits prospectus et des petits carnets et elle est juste énorme à l'intérieur. Enfin moi j'étais choquée du contenu. Vous avez un baume revitalisant cheveux de la marque Prescription Lab. Donc, ma foi, pourquoi pas, il va être trop bien.
Je vais essayer, on verra bien. On a un thé Kushmiti qui s'appelle le Caravan numéro 50, où c'est un thé noir, enfin c'est un mélange de thé noir d'Asie. Donc voilà, ça c'est top, c'est un joli cadeau aussi dans une box. On a 4 produits quand même full size, hein, c'est ouf. Une crème pour les mains Karité à l'amande et au miel de la marque Institut Karité, qui voilà, un packaging, il vend du rêve, hein, je trouve. Il est trop joli. Une crème en version gel de la marque Céramidin. Je ne connais pas, Docteur Jar Plus, je ne sais pas si vous connaissez vous de votre côté, mais voilà, une crème comme ça pour le visage, qui est rafraîchissant, apaisant et composé de céramide, repulpe les peaux ternes et sèches. Donc parfait pour la saison, là. Et en tout petit, une petite miniature comme ça, avec de la marque Elizabeth Arden New York, c'est des petites capsules de sérum quotidien rénovateur de jeunesse. Donc ça c'est top. Honnêtement, cette box, moi j'en suis conquise, c'est la deuxième que je reçois et... Je vous les conseille si vous connaissez pas cette marque. Et puis pour un cadeau de Noël ou d'anniversaire, je trouve qu'une box beauté, c'est toujours sympa, surtout pour les femmes. Pour finir, je vous propose deux dernières idées cadeaux. Déjà les Wonderbox. Celle-ci, c'est ma copine Clémence qui me l'a offert. Et je l'adore. Je l'ai testée, je l'ai approuvée, je trouve ça trop bien. D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire un article sur mon blog sur cette box que j'ai adorée, où j'ai testé plein de chocolats et tout. Bon bref, team gourmande, vous êtes encore là je pense, mais voilà, j'adore. Et c'est des box à petit prix qui coûtent 25€, donc c'est une bonne idée cadeau pour pas très cher. Vous avez, alors il y a I Love Paris, mais vous avez aussi Joyeux Anniversaire ou Joyeux Noël. Et du coup, vous avez sur toute la France, hein, parce que là c'était que pour Paris, mais vous avez pour toute la France. Donc ça, j'aime beaucoup ce genre. Et pour finir, je vous propose toujours, je vais vous parler encore d'une marque que j'adore, c'est la marque La La Lab. Vous savez que je vous en parle à chaque fois dans toutes mes vidéos, parce que bah, je commande tout le temps. C'est des box que je trouve des super idées cadeaux. Et en plus de ça, à chaque fois, c'est une application qui se renouvelle. Donc comme d'habitude, je vous mets mon lien de parrainage et mon code de parrainage. Vous pouvez gagner 5€ sur votre commande, donc c'est juste top. Et là, en plus, ils ont lancé deux nouveautés. Donc je vais vous les montrer tout de suite, mais je vais retourner la caméra pour que ça soit plus pratique. Et du coup, les voilà. En tout cas, c'est une marque que j'adore. Je vous ai pas précisé, mais... c'est pour développer des photos, style Polaroid. Dans ce style-là. Donc voilà, vous pouvez modifier tout. Alors vous avez des photos, des calendriers, des cadres murales, enfin plein d'idées pour faire des cadeaux, encore une fois. Super. Donc voici les petites idées cadeaux que je vous propose aussi avec la lame. Vous pouvez faire des grandes feuilles comme ça. Regardez la taille de ma main à côté. Des grandes photos comme ça, qui sont juste d'une qualité sublime. Ça, c'était moi et mon mari à Paris. Du coup, voilà, c'est une photo que j'aime beaucoup. Donc vous pouvez les développer vraiment en grand format. Ça s'appelle XL. Enfin, je vous mettrai le nom exact de ce type de photo que vous trouvez sur l'application La La Lab. Et du coup, voilà, j'adore. Donc j'ai fait plusieurs photos. Ça pareil, vous mettez ça dans un joli cadre que vous trouvez chez Action. Et paf, c'est parti pour offrir à Noël, que ce soit les petits-enfants, pour les mamies. Enfin voilà, c'est des idées cadeaux très sympas. Donc voilà. Là, je vous avais emmené avec moi dans mon vlog à Bruges, donc... voilà, j'ai développé ces photos. Et puis les deux autres, c'est mes enfants. Donc je vous les montre pas, mais le packaging, la taille, pardon, est sublime. Regardez-moi cette taille, elle est juste sublime. Et la qualité, mais il n'y a rien à dire, quoi. Top. Et la deuxième petite idée qu'on peut faire sur le site La La Lab, c'est des calendriers tout simplement pour l'année 2018. Donc c'est parfait. Donc, par exemple, voilà, vous avez une petite page de présentation. Moi, j'ai mis mes enfants, bien sûr, et ma famille. Puis après, ça se présente comme ça. Vous avez une grande photo. Qui est plutôt pas mal. Bon, la qualité, c'est pas extraordinaire, vu que c'est certaines photos de mon appareil photo, enfin de mon téléphone, donc c'est pas top. Et puis en dessous, vous avez le calendrier tout simplement du mois de janvier. Vous pouvez choisir vraiment toutes vos photos. Après, vous pouvez pas forcément... vous pouvez les choisir à l'endroit que vous voulez, si c'est pour janvier ou mars ou octobre. Mais sur la première page que je vous ai montrée tout à l'heure, vous pouvez pas tout choisir exactement. C'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, au mois de mars, j'ai choisi de mettre moi et mon mari, parce que bah... C'est une jolie photo de nous deux, et puis c'est son anniversaire au mois de mars, donc voilà. Et par exemple, au mois de septembre, j'ai décidé de mettre moi et ma copine Mélanie. Bon, la qualité de la photo n'est pas au top, hein, ça n'a rien à voir avec celle-ci là, mais voilà, ça vous donne une idée. C'est toujours sympa, ces petits calendriers. Je trouve que c'est une idée pareil, cadeau, pas très cher et très sympa. Donc vous avez vu le calendrier que j'ai fait faire et l'espèce de grand cadre comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire pour ces idées cadeaux. Si ça vous a intéressé ou pas du tout, si vous trouvez ça trop banal, n'hésitez pas à me dire vraiment votre avis sincère.
comme d'habitude moi je prends tout. Et puis si vous en voulez d'autres vidéos comme ça avec d'autres idées cadeaux peut-être un peu plus originales, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, j'essaierai de m'exécuter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut salut.